vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de ce... Non, aujourd'hui on va faire un petit tirage de... pour ceux qui bloquent. Qu'est-ce qui bloque en fait? Pourquoi est-ce que ça bloque? Donc on va faire un tirage avec voir un petit peu les opportunités et comment ça va se terminer. Donc, à vous de voir, à moins que le tirage me parle autrement, mais moi c'était un peu le but que je voulais faire aujourd'hui. C'était qu'est-ce qui bloque dans cette situation? Pourquoi est-ce que vous n'avancez pas? Voilà. Alors. On n'avance pas ici parce que déjà on a des conflits où il y a quelque chose qui est accroché à nous et qui ne nous lâche pas. Ce sont des conflits ou ce sont des obligations. Peut-être pas évidentes. Alors, qu'est-ce que je vois qui bloque ici, ce sont peut-être des personnes. C'est le succès peut-être qui vous bloque. Vous avez peut-être un certain succès et ça vous bloque. Vous n'arrivez pas à Soit vous avez trop de succès, soit vous n'avez pas assez de succès. Donc ici, peut-être que ce qui vous bloque, c'est justement, vous avez besoin de plus ou de moins de notoriété. Le but, alors sachez que vous allez atteindre votre but, parce qu'on a le trèfle. Donc le trèfle, c'est la chance, vous allez vers un but, mais il faut saisir votre chance. Il faut vraiment saisir votre chance. Et la chance va vous donner des opportunités. Donc les opportunités ici, c'est le bouche à oreille. Peut-être que vous voulez faire de la publicité, peut-être que vous avez quelque chose à dire. Ça peut être les cancans aussi, hein, d'accord? Mais ici, ce qui va être pour vous la chance, ce sont vraiment des gens qui parlent. Ou c'est vous, votre manière de parler, votre pouvoir de discuter, de persuader. Donc ici, ça va vraiment être une opportunité, c'est la parole. Okay. Le danger. Alors le danger pourrait venir de l'étranger, le danger pourrait venir d'une personne d'une autre nationalité que la vôtre, le danger pourrait venir par la rapidité. On a la clé, ok, ici avec la force, dans le côté, la force, nous avons la clé de la réussite, donc on va quand même réussir ce que l'on désire. Hein. Donc ce qui vous bloque, vous allez pouvoir quand même, il y a des solutions, des opportunités. Et vous allez devoir, à la finalité ici, vous allez devoir prendre une décision, vous allez devoir trancher, vous allez devoir vraiment trancher, prendre une décision les amis. Voilà, c'est vous qui avez tout en main pour prendre une décision et vous allez devoir tourner une page. C'est ça qu'il faut en fait, vous devez pouvoir arriver à tourner une page et à faire des choix. À faire des choix pour pouvoir justement aller de l'avant et pour ne plus être bloqué. Je vois une banque, si ça vous parle. Une banque ou un banquier. Des nouvelles d'une personne que vous connaissez, vous allez donner... Ou vous allez avoir des nouvelles d'une personne du passé. Peut-être que vous allez avoir ces nouvelles-là d'un homme de loi, par exemple. Voilà, je vais m'arrêter ici, mais... Voilà, j'ai plein de choses à dire, hein. Je pourrais vous dire plein de choses, mais... Voilà, je ne vais pas trop m'étaler, parce que sinon, ici, ça concerne... Vraiment, c'était un tirage très général. Donc, si je prends plus de cartes, ça va être trop personnel. Donc, je vais me rester à ces cartes-là. Donc, voilà. Vous avez
Ici, le danger, c'est que ça vient, le blocage, il vient des gens, il vient du succès ou il vient justement du manque de succès, du manque de popularité ou trop de popularité. Voilà. Mais il y a une opportunité qui va s'offrir à vous. Le but ici, c'est d'arriver à quelque chose. Vous voulez trouver une chance. Vous allez la saisir, votre chance. Parce qu'ici, donc ça, c'est la carte du but. Là, c'est la carte des opportunités. Les opportunités, avec les oiseaux, on parle, on échange. D'accord? La carte des dangers. Le danger, le vaisseau. Alors peut-être c'est aussi la forme de rapidité. Le danger, c'est peut-être ça va être trop rapide. Mais bon, ou trop lent, ça va dépendre aussi. Ou trop lent. Donc il y a ça qui pourrait être un danger, mais en fin de compte, ça ne le sera pas, puisque dans la carte de la, dans le, oh, comment on dit, de la force, ici, on a la clé de la réussite, d'accord? Donc ici, on réussit. Donc on va vaincre toutes ces épreuves-là. N'oubliez pas d'écouter aussi, d'entendre ce que, pas d'entendre, mais d'écouter ce qui est dit autour de vous, ce que vous dites aussi peut avoir un impact. Mais en tout cas, la finalité, c'est que vous allez devoir trancher. Donc même aujourd'hui, si vous ne voulez pas prendre une décision, vous allez être obligé de le faire. Vous allez être obligé de trancher et de tourner une page sur quelqu'un, sur quelque chose, etc. Donc ça va devoir se faire pour pouvoir être débloqué. Voilà, les autres, c'était... Voilà. Voilà, les amis. Allez, on se fait un petit oui ou non. Donc ça, c'est un petit Lenormand. C'est calme. Galerie Lenormand. Il y a beaucoup de cartes en plus, mais moi je les utilise jamais. Je ne sais plus du tout d'où il vient. Je peux vous le dire. On se fait un petit oui-non. On va se le faire, le petit oui-non. On se le fait, on se le fait, on se le fait. Allez! Avec quoi? Avec quoi les cartes? Under the roses. C'est les cartes supplémentaires. Ça, c'est les cartes. Regardez, j'ai l'anneau et la croix, donc du coup on va les mettre à pas tricher, hein. Donc l'anneau, si vous posez votre question fermée, question qui demande un oui ou un non, vous aurez le oui si c'est l'anneau qui sort, ou vous aurez le non si c'est la croix qui sort dans les 13 premières cartes. Ou si une carte tombe, ou si elle est dans la coupe. Allez, on y va. Oui ou non? Le soleil et le monsieur. Allez, on y va. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Cette 13, donc, je ne pense pas qu'elle soit passée, parce que parfois je la loupe. Alors, on a la croix qui est là, et puis on aura l'anneau, à moins que je l'ai loupé, ici. Voilà. Donc, dans les 13 cartes qui sont tombées, qui sont sorties, il n'y a ni oui ni non, c'est encore, on ne sait pas encore. Mais on a quand même pris le oui et le non. Donc, si vous voulez que ce soit oui, prenez, imprégnez-vous de ces énergies de oui. Imprégnez-vous de ces énergies de oui. Prenez le oui à vos questions. Et si vous voulez que ce soit non, prenez les énergies du non. Et dites que ça sera non, obligatoirement.
Voilà. Voilà les amis. Bon, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.